Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Chloé TV. Dans les films chinois, on voit souvent les femmes porter des qipao qui mettent en valeur l'élégance et la féminité. Ce type de silhouette traditionnelle est appréciée des occidentaux, mais elle redevient à la mode chez les jeunes femmes chinoises. 林老师，听说您与旗袍结缘已经十几年了，而且您还复刻了大都会博物馆的实践中国旗袍，请问您对旗袍为什么这么钟情呢？ 旗袍呢是中华女子服装的代言人，你看，例如像这件我复刻的大都会博物馆的馆藏旗袍，它不光是有这个外观上非常美丽的这个形式美，同时其实它还是我们中国人的精神世界对美好事物的一个向往，它呈现了我们高雅的审美情趣。 Dans les mains des artisans de qipao, de mesurer, de couper, il s'agit non seulement des processus de fabrication, mais aussi de l'ambiance élégante des femmes chinoises qui coulent. 这个定位刺绣，其实我们是在做衣服之前就先把这个刺绣给它绣上去了。净色面料上的定位刺绣，在我们这个行当里边就是最高难度的一个之一的方法。自古以来，中国的服装都是以天然面料为制作服装的材质的。 其中真丝面料是最华丽的，华丽的面料里边缎子面料是最难做的。我们做的就是这个板块，不仅是传统的中式旗袍，我也做了非常多的现代改良的中式旗袍。看见越来越多的年轻人喜爱和穿着现代的这个旗袍，我也是觉得特别的开心。 Les旗袍 de style Y2K, sexy ou vintage sont tous très populaires. Les styles de mode chinois, soit le style ancien ou les nouveaux made in China, font tous partie de notre identité culturelle nationale. Ils sont comme des petits ruisseaux et vont enfin être acceptés par la mère de la mode internationale.